Waouh ! Un gigantesque nuage orageux se dirige vers toi. Il est complètement noir et contraste fortement avec le ciel bleu vif qui se trouve juste au-dessus et derrière toi. Tu vois un éclair aveuglant et quelques secondes après, tu entends le bruit assourdissant d'un coup de tonnerre. Et puis, la pluie commence à tomber du ciel. Le vent se lève, tu vois les cimes des arbres ployer vers le sol et l'orage se rapprocher à grande vitesse. Tu te figes sur place, réalisant que tu ne pourras pas y échapper. Mais quand le rideau de pluie arrive presque jusqu'à toi, son mouvement s'arrête soudainement. Quelques mètres devant toi, il y a un véritable déluge, mais là où tu te trouves, il fait sec et même ensoleillé. Et peu de temps après, le nuage d'orage en furie déverse ses dernières gouttes et se dissipe. Voir la limite de la pluie est une chose rare, mais pas impossible. La pluie doit être vraiment puissante pour que le vent ne puisse pas faire dévier les gouttes de leur trajectoire verticale. Si la pluie est légère, tu ne pourras voir ses bords que de loin. Elle ressemblera à un rideau gris ondoyant qui va du ciel au sol. Maintenant, la pluie est passée, mais le vent souffle toujours et de plus en plus fort. Tu vois des feuilles qui virevoltent et tu te rends compte qu'une tornade est sur le point de se former. Tu cours aussi vite et aussi loin que tu peux. Tu montes en haut d'une colline, puis tu t'arrêtes et tu fais demi-tour. Pas encore de tornade, mais le nuage qui est suspendu là-haut a l'air menaçant. Un autre éclair et un craquement. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais il y a un instant. Il a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie et la colonne devient de plus en plus grande. Tu as déjà entendu parler d'une telle chose, mais tu ne l'as jamais vue. Une tornade de feu. Ce phénomène se produit lorsque le vent est pris dans un tourbillon proche du sol à cause de la différence de pression atmosphérique. De telles mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. Les petits débris, la poussière, le sable et les feuilles s'élèvent dans l'air et commencent à voler en cercle rapide. Mais s'il y a une source de feu à proximité, l'entonnoir peut l'attraper et le faire souffler plus fort. Les flammes vont alors tourner en rond, s'élevant de plus en plus haut et finissant par créer un tourbillon flamboyant. Heureusement, les tornades de feu sont de courte durée et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. Et comme si cela ne suffisait pas, tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre, il est grave et de mauvais augure. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière chatoyantes qui planent dans le ciel. Ta gorge s'assèche et tu avales difficilement ta salive. C'est ce qu'on appelle les lumières sismiques. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir vu sous différentes formes et tailles. Il peut s'agir de boules de lumière, d'éclairs en forme de feuilles, de serpentins ou de lueurs constantes dans le ciel. Peu de temps après, un fort tremblement de terre s'ensuit. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer pourquoi ces lumières apparaissent, et ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Certains croient qu'il s'agit d'une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Cette fois, un tremblement de terre survient bel et bien, mais tu as de la chance, il n'est pas aussi fort que tu le pensais. Le sol tremble, mais tu arrives même à garder ton équilibre. Il s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé, et tu rentres chez toi. Plus tard, dans la nuit, tu regardes par la fenêtre et tu vois quelque chose d'incroyable, un arc-en-ciel. Mais il fait déjà nuit et la lune brille dans le ciel clair. Alors ce doit être un arc-en-ciel lunaire. Cet événement se produit extrêmement rarement. Il est semblable en tout point à un arc-en-ciel ordinaire, sauf qu'il apparaît par une nuit claire après une averse. Heureux d'avoir pu assister à ce spectacle, tu t'endors sereinement. Le lendemain matin, tu regardes à nouveau par la fenêtre et soudain, le soleil est presque masqué et il semble faire à nouveau nuit. Tu entends au loin un bruissement et une sorte de croassement. Perplexe, tu lèves la tête et tu n'en crois pas tes yeux. Il y a des milliers et des milliers d'oiseaux dans le ciel, tellement qu'ils bloquent toute la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle « sortsol » ou « soleil noir » en danois, très approprié. Normalement, cela n'arrive qu'au Danemark, d'où le nom. Où de nombreux étourneaux migrateurs s'envolent en même temps pour chercher un endroit où passer l'hiver. Ils sont si nombreux qu'ils obscurcissent littéralement le ciel pendant quelques instants. Alors que font-ils là où tu te trouves? C'est une bonne question. Tu es maintenant téléporté comme par magie en Antarctique. Nous sommes dans un univers imaginaire, donc tout peut arriver. Bien sûr, tu portes des vêtements chauds et confortables. Tu regardes autour de toi avec perplexité. Et tu te rends compte que tu as été transporté sur les pentes du mont Erebus, l'un des nombreux volcans du continent glacé.
En ce moment, il bout lentement, du gaz s'échappe de son sommet et des fissures sur ses flancs. Mais ce qui attire ton attention, ce sont les piliers enneigés qui t'entourent. On les appelle des cheminées de neige. Elles se forment à cause du magma bouillant qui se trouve en dessous. De temps en temps, ils rejettent des gaz chauds vers la surface, mais le froid extérieur arrête la substance chaude. Il en résulte la formation de fumerolles. Le gaz chaud gèle dès qu'il touche l'air, créant ainsi ces statues de glace particulières. Elles laissent échapper de minces cordons de fumée, presque en permanence, et se développent lorsque le gaz essaie de s'échapper des profondeurs. Bon, ça suffit avec le froid glacial et les volcans. Il est temps d'aller vers des climats plus doux. Et hop, tu te retrouves à Los Angeles. Lève les yeux. Juste au-dessus de toi, il y a une belle cascade de nuages en forme d'arc-en-ciel. On appelle cela un arc-en-ciel de feu ou arc circumhorizontal. Encore une fois, c'est une chose rare, mais ici à Los Angeles, c'est beaucoup plus probable que, disons, à Londres. Les arcs-en-ciel de feu n'apparaissent que lorsque certaines conditions sont réunies. Proche de l'équateur, par temps clair, avec des nuages en forme de plumes dans le ciel, et lorsque le soleil est à plus de 58 degrés au-dessus de l'horizon. Ces nuages sont faits de cristaux de glace, et quand les rayons du soleil les traversent, les particules réfractent la lumière et créent un magnifique arc-en-ciel. Hop, téléportons-nous vers un nouvel endroit. Cette fois, tu te retrouves en Indonésie, surplombant un autre volcan. Il s'appelle le Kawaijen, et c'est la plus belle montagne de feu au monde. Tu la vois entrer lentement en éruption, mais la lave qui s'écoule paresseusement de sa gueule n'est pas rouge, elle est bleue. À l'intérieur du Kawaijen, il y a beaucoup plus de gaz sulfurique que dans n'importe quel autre volcan. Quand la montagne entre en éruption, le gaz s'échappe sous une pression extrême. Dès qu'il atteint l'air libre, il déclenche une réaction chimique qui rend le feu bleu. Tu as déjà vu une cuisinière à gaz qui brûle? Le principe de base est globalement le même. Et hop, tu es de nouveau dans le froid glacial, de l'Arctique cette fois. Mais dès que tu vois l'océan gelé, tu oublies le froid. Des fleurs de givre fleurissent à sa surface. De merveilleux cristaux de glace fragiles semblent pousser de la fine couche de la mer gelée. De telles fleurs n'apparaissent que près des rives ou sur les lacs, lorsque la différence de température entre la surface et le rivage est importante. Il faut au moins 15 degrés Celsius de plus. Lorsque la glace plus chaude à la surface rencontre l'air plus froid au-dessus, de la vapeur d'eau apparaît et gèle rapidement. Cela crée des structures fragiles mais magnifiques à la surface qui peuvent même grandir avec le temps. Ta prochaine destination n'est pas beaucoup plus chaude, toujours le cercle arctique, mais la Sibérie maintenant. Bizarrement, au début, tu ne vois rien d'autre qu'une vallée verte sans fin et une petite colline à proximité. Mais ensuite, tu remarques que le sol tremble. Encore un tremblement de terre? Non, tu vois la colline trembler comme si elle allait éclater. Et puis, elle éclate vraiment. Un puissant boom te perce les tympans et te rend sourd pendant quelques secondes. Et tu vois d'énormes rochers qui volent dans toutes les directions comme des météorites. Quand tu regardes à nouveau le sol, il n'y a plus de colline devant toi. À la place, il y a un énorme cratère, large et profond. Tu viens d'être le témoin d'une explosion du permafrost, un phénomène nouveau et mal connu. La théorie principale est que de petits monticules se forment parfois dans les plaines gelées de Sibérie, poussées vers le haut par l'expansion du gaz naturel caché en dessous. À un moment donné, ce gaz peut exploser, entraînant un puissant éclatement, et le monticule éclate comme une bulle. Attention, un rocher vole droit vers toi. Ouf, tu as été téléporté juste à temps. Et tu es de retour à la maison. L'orage est passé et... waouh, c'est quoi ces nuages? Ils ont l'air extrêmement sinistres. Ne t'inquiète pas, on les appelle des mammatus. Et ils sont sans danger. Ils ont tendance à apparaître avant ou après une forte tempête ou un ouragan. Normalement, les nuages se forment à cause de l'air chaud qui monte, mais ceux-ci se forment à cause de l'air froid qui descend. Cela crée des poches faites de glace et d'eau qui descendent en lobes distincts. Mais ils ne tiennent pas trop longtemps, 15 minutes au maximum, et puis ils disparaissent. Tu admires la vue, tu secoues la tête et tu rentres chez toi. Un peu trop d'émotion pour une seule journée.